Voilà, salut à tous, c'est Adrien D. Alors voilà, là voilà la fameuse carte dans War Thunder qui permet de capturer une zone. Donc là c'est l'aéroport. J'en avais parlé dans la précédente vidéo. Mais bon, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous montrer cette map parce que franchement c'est une map que j'adore. En fait ça me fait penser au fameux champ de bataille qu'il y avait sur World of Warcraft. Hop! Voilà, qui permettent tout simplement de garder un point bien particulier le plus longtemps possible. Donc il suffit d'atterrir, voilà, et de capturer l'aéroport et de le garder le plus longtemps possible. Voilà. Waouh. Et maintenant que j'ai fait quand même quelques réglages avec OBS, eh ben, ça rame un peu moins dans la vidéo. Voilà. Parce que comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, j'avais à peu près entre 45 et 50 FPS sans filmer. Sauf que OBS qui enregistre cette vidéo, eh ben, était mal réglé. Le CPU était trop sollicité pour l'encodage. Donc j'ai fait un petit réglage et comme vous voyez c'est un peu plus jouable, mais bon bien sûr c'est moins bien jouable que voilà, c'est moins bien jouable que si je n'enregistre pas la partie. On a combien? Alors on a 20 FPS quand il y a du monde, une trentaine quand il y a personne. Oh. Allez. Voilà, donc c'est ça cette fameuse carte de capture d'aéroport. Bon là c'est surtout capture de je me fais bien défoncer la gueule. Voilà, donc quand l'ennemi capture l'aérodrome, eh ben, il suffit de ratterrir et de le recapturer à nouveau. Mais bon, déjà, atterrir à une telle vitesse, c'est un peu chaud. Voilà. Et puis, il y a du monde. Bon, on va essayer de le faire quand même. Sans se faire repérer, c'est ça le plus dur. Oh, il y a du monde en face. Voilà, oh, bah maintenant on se casse vite fait. Hop. Oh. Hop là. Ah. Allez, le train d'atterrissage, baisse-toi. Allez. Ouais, c'est bon. Il y en a un autre qui a capturé. Oh. Hop là, voilà. On va faire, on va éviter de capturer. On va juste protéger ses alliés. Des fois qu'il y en a un qui a la bonne idée de vouloir capturer. Voilà. Ça me fait penser, voilà, au champ de bataille, le bassin d'Arati dans World of Warcraft où il fallait garder la forge, l'écurie, le moulin, la mine et la scierie le plus longtemps possible.
Attends, lui, il essaie d'atterrir là. Allez! Ouf! On les voit très proches, les bombes. Hein. Coucou! Waouh! Allez, on va essayer de recapturer. Ah bah non, c'est bon. Hop, ça capture. Ah! Oh, il y a un mec qui est posé là. Wow. Ah, il est là le mec. Allez, on va s'empaffrer dedans. Ouf. On va essayer de capturer avant de mourir. Non. Et forcément, il atterrit. L'aérodrome est à nous. Il faut absolument tenir. Ce genre de cartes, elles sont assez rares en ce moment. Donc, je profite qu'elle était la soir pour... pour vous en faire une petite vidéo. Ouh. Allez, attends, c'est pas le train d'atterrissage là. Ah, je vais trop vite, je peux pas accéder, enfin je peux pas atterrir. Eh mince, je pensais l'éviter, mais non. Dernier avion. Il faut finir la bataille avec celui-là. Il n'y a plus le choix. On va essayer d'être un petit peu plus prudent. Et un peu moins kamikaze. Bon, lui, il s'est crashé. Ok. Il fait quoi, lui? Il atterrit? Non, il atterrit pas. Ah, c'est bon. Allez, on va aller aider un copain en détresse. Baf. Et voilà. Bon, bah j'espère que cette mini vidéo vous aura plu. Ça aura pas duré très très longtemps, une petite dizaine de minutes. Voilà, voilà, hop, donc on va acheter nos nouvelles armes, voilà, on va acheter un compresseur, voilà, et voilà. Et bien, j'espère que ce petit bout de vidéo quand même vous aura plu,
Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hop. Alors, je suis pas très bon au niveau des places, mais c'est pas bien grave. Voilà. Hop là. Et voilà. Allez, ciao.